la date était le 14 février, jour de la Saint-Valentin, c'est pour ça que je n'ai pas eu tellement de monde, mais j'ai quand même des amis et surtout la présence, j'étais très honorée, de Monsieur Patrice Thévier, directeur de la culture et bien sûr de l'Institut, et Monsieur Zié Koulibaly qui s'occupe plus particulièrement de l'Institut. Donc c'était les personnes de l'Institut, enfin de la, qui m'accompagnaient, qui ont fait une présentation du vernissage. Moi j'ai fait un petit discours, j'ai présenté mon travail aux quelques visiteurs qui sont venus, des amis et des visiteurs qui sont venus. J'ai exposé en gros pourquoi, le comment de cette exposition à l'Institut ici en Côte d'Ivoire. Je réagirai effectivement en tant qu'Ivoirien parce que pour ceux de notre génération, ces dessins ont rythmé notre vie sur les places publiques, au marché. Par exemple, cette toile que vous voyez, ce sont des dessins qu'on retrouve partout pour nous expliquer ce qu'on vend. Et c'est un langage qu'on comprend. Dans toutes les officines où on fait de la coiffure, vous allez voir, vous choisissez vous-même la coupe qui est sur le dessin. C'est, avant les badges numériques qu'on affiche aujourd'hui, c'était ça, la vie des artisans, de tous ces gens qui font le travail pour nous, pour rendre la vie sociale facile. Donc, que quelqu'un pense à récupérer ces œuvres-là aujourd'hui pour en faire une exposition dans un institut comme l'Institut français, c'est déjà quelque chose. Et pour nous, en tout cas en tant qu'Institut français, on a trouvé l'idée géniale. Déjà que dans quelques années, on verra même plus ces œuvres-là partout. Et les immortaliser d'abord dans un livre et ensuite les exposer ici et au Quai Branly, c'est un travail extraordinaire que Mme Monica a fait. Et nous sommes fiers de l'accompagner pour cela. Donc, je ne réagis pas seulement en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, je réagis en tant que responsable de l'institution qui reçoit et qui est content de faire ce type de travail-là. On a l'habitude d'exposer des œuvres ici. Mais ça, vous voyez bien que ce n'est pas des œuvres, on ne voit même pas le nom des artistes qui sont là-dessus. Ce qui est important, c'est le message que ça véhicule et le langage est compréhensible par tous les Ivoiriens, par tous les Africains. Partout où vous passez, où vous voyez ce genre de choses-là, vous voyez exactement ce que les gens qui sont là font. Et c'est une communication, pas besoin de beaucoup d'efforts au niveau du dessin, du graphisme. C'est assez joli et je pense que c'est bon comme ça. Et vraiment, je suis heureux et je regrette pour l'instant qu'il n'y ait pas encore beaucoup de visiteurs. Mais comme on a beaucoup d'événements qui vont passer là et que l'exposition reste 15 jours, j'ai grand espoir que... J'aurais souhaité même que des plus jeunes qui n'ont pas eu le temps de voir toutes ces œuvres-là les voient et viennent nous demander ce que ça veut dire pour qu'elles puissent s'expliquer et tout ça. Donc je suis heureux et content que l'exposition ait lieu ici et nous sommes prêts à l'appuyer et c'est ce qu'on fait. En général, les personnes qui sont venues n'ont pas connu cet âge en Côte d'Ivoire de l'enseigne. C'était dans les années 80, hein, certaines 86, voilà, et qui ne se pratiquent plus du tout maintenant. Hélas, mais c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, parce que moi j'ai été complètement conquise par ce art quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire dans les années 87, et du coup j'ai collectionné petit à petit et montré ce travail à Ouvo Mer, ce grand photographe qui m'a accompagnée souvent pour les photographier. Je suis arrivée en 86-87. Et ça a été ma découverte. Bon, je connaissais l'histoire, la culture ivoirienne. Et ça a été un choc extraordinaire. J'étais conquise par cet art. Et donc, je me suis mise à collectionner petit à petit. Mais c'est venu petit à petit, hein, au gré des visites, de mes promenades. Mais quand même, avec Omer, le même photographe, un peu avant 88, nous avons fait le tour de la Côte d'Ivoire pour prendre des photos. Il y a des photos qui ont été prises à Korogo. Et en 88, nous avons présenté au Centre Georges Pompidou un diaporama des enseignes de Côte d'Ivoire. En 88, j'avais organisé au Centre Georges Pompidou un événement culturel sur la Côte d'Ivoire au quotidien, parce que je me suis toujours occupée d'art. Et nous avons évidemment passé ce diaporama au Centre Georges Pompidou. C'est un engouement que j'ai éprouvé par cet art direct. Les gens ne savaient pas. À ce moment-là, je me suis rendu compte que l'image
que l'image servait de support aussi, parce que les gens ne savaient pas forcément bien lire, et les personnes qui voulaient vendre leurs marchandises, le coiffeur qui voulait vendre ses belles coupes de cheveux, les accompagnaient de dessins. Vous voyez la bâche de médecine qui est dans l'exposition, elle est agrémentée de dessins très, très compréhensifs. On comprend tout de suite ce que le médicament va soigner. Dis-moi, son ami Chaka, quand vous voyez tout de suite, ça vous dit quoi de voir ces images-là? Moi, je pense que c'est de l'art et de la créativité, parce que moi, il fait lui en plastique. Mm-hmm. Donc, je pense que les dessins sont bien faits, même si c'est un peu pas trop direct, mais je trouve ça mieux, puis la peinture est très bien faite, pas débordée. Ça parle de quoi? Ça parle de la maladie. La maladie? Il n'y en a qu'une? Il y a la maladie, comment guérir. Donc, j'allais dans les quartiers, à Djamé et tout ça, pour acheter des enseignes. Parce que je trouve ça magnifique. Mais donc, vous devez avoir une collection énorme. Non, pas, hélas. Vous avez commencé en 80. Non, mais je n'ai pas tout acheté à ce moment-là. J'ai commencé et j'en ai quand même une quarantaine en tout. Vous avez fait beaucoup d'expositions comme ça? Non, ça commence. Justement, j'ai signé le livre au Kévorio. Oui, venez y voir. Alors, surtout, venez y voir la Côte d'Ivoire. C'était inscrit sur une enseigne. Voilà. Alors, voilà ce qui était déjà pas mal, ce qu'il faisait sur les murs. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, il y avait eu un diaporama au centre Georges Pompidou. Et moi, j'avais envoyé, lorsque le livre a été fait, je rêvais de l'exposer au Quai Branly. Donc, sur les conseils d'un monsieur de la culture à Paris, j'ai envoyé mon dossier au président Stéphane Martin, président du Quai Branly, qui m'a fait un retour magnifique en me disant « c'est superbe, j'adore vos coiffeurs et tout ça, malheureusement, nous sommes bookés jusqu'en 2020. Mais je vous conseille de signer votre livre à notre librairie, librairie du Quai Branly. » Ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir avec Ouvomer, nous étions tous les deux, et le livre a été pris par le musée Branly, il est à la médiathèque du Quai Branly. C'est-à-dire que c'est un des plus grands musées concernant l'Afrique qui a pris ce livre qui est dédié à l'Afrique en fait. Donc j'en suis très très heureuse et je ne désespère pas de pouvoir exposer au Quai Branly. Je pense qu'après 2020, je vais essayer à nouveau de m'inscrire dans un programme d'exposition. Voilà. Jean Dac qui nous replonge dans notre enfance, parce qu'on est tous rentrés dans les salons de coiffure avec ce genre d'enseigne. On a tous vu au moins une fois un guérisseur qui avait ce genre d'enseigne, ou des anciennes cabines téléphoniques qui, grâce à qui on avait la seule possibilité de joindre des gens à l'étranger, parce que ça coûtait très cher d'appeler de chez nous à la maison. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire, ni de carte et tout. Donc ça nous replonge forcément dans une enfance, j'ai envie de dire, heureuse. Voilà, et donc c'est vraiment beau de voir ça, c'est top. Déjà, c'est pour moi, ce sont des images représentatives de toute l'Afrique, on va dire. Hein. C'est ça me fait plutôt penser aux rues africaines, aux ambiances des quartiers très populaires. Et déjà, étant petite, c'est ce genre de dessin que je voyais devant les salons de coiffure. Et c'est vrai que petit à petit, maintenant avec l'art, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus important, l'art contemporain. Et je suis ravie de découvrir ce travail. Surtout que j'ai eu la chance, je pourrais même dire le privilège, de travailler avec Ouvomer quand j'étais un petit peu plus jeune. Et je suis heureuse de voir que son travail évolue et ça arrive jusqu'ici. C'est bien présenté. J'ai vu un Vladimir Poutine la dernière fois. Très surpris. Ah bon? Pourquoi pas? Je sais pas. S'il a eu mais des vedettes même assez surprenantes parfois. Ah, le Tché par exemple, c'est. Ah oui, le Tché. Mais parce qu'il est passé dans la sous-région au moment. Oui, beaucoup. Mais enfin quand même, on s'aperçoit que le graphisme, le dessin,
comme il le faisait autrefois, ça a disparu complètement. Là, parce que là, effectivement, le contour, c'est plus travaillé que ce que je vois aujourd'hui. C'est quelle année? Là, on est en quelle année? Non, ça, c'est ça, en 2015-2016. Ah ouais, non. Ok, bon, bah, si vous avez choisi. Non, ça, c'est vous avez sélectionné les bons, alors. Ouais, ça, d'accord. C'est on est déjà en deuxième partie. Okay. Bah, c'est un bon condensé, hein. C'est une vraie sélection de tout ce qui se fait en art graphique en Côte d'Ivoire. Et il y a un vrai travail de recensement. Je pense que c'est on est allé quoi d'Abidjan à Korogo. Oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez marrant de voir de reconnaître certaines choses hein, qu'on voit au quotidien quand on habite ici. Et on est toujours surpris au final. Ça qui est génial en Côte d'Ivoire, c'est qu'on pensait que déjà on était sur quelque chose d'assez pertinent, d'assez drôle. Par exemple, mis sur à l'arrière d'un baka. Et voilà, Kaïdine a trouvé encore au-dessus. Et on est toujours surpris de voir la créativité chez les artistes ivoiriens au final. Parfois ça part d'une simple devanture finalement d'un boutiquier. Puis en fait, je sais pas si les gens en ont conscience, mais c'est les artistes au final. Tous les gens qui disent moi j'ai l'impression que je peux repasser. Mais en fait, ce que tu as dessiné sur le magasin, en fait c'est de l'art. Tu es au courant. C'est bon quoi, c'est fort. Il y a qui c'est que j'ai eu ça. Et ça rend bien hommage, du coup. Le livre en rend bien hommage à. Bah, tous les artistes, quoi, au final. Alors, justement, cette enseigne de coiffeur, moi, j'avais craqué dessus parce que, en brosse, la manière qu'ils avaient eu d'écrire en brosse, j'avais trouvé ça amusant. Et elle est datée, mode 86. Ça ne veut pas dire que je l'ai achetée en 86. Je l'ai trouvée, mais elle était déjà datée. Et j'ai trouvé que c'est dans le même style que les autres enseignes de cette époque. On est passé par les coiffures d'hommes et il y a cette coiffure, comme je disais tout à l'heure, des femmes, voilà. Alors, enfin, queue de rat, c'est pas très... c'est pas très, enfin, attirant, si je puis dire. Enfin, ça, c'est des coiffures de femmes, les premières que je voyais, en fait, il y a un certain temps. Le chef-d'œuvre. Ah, c'est la pièce, oui, c'est la bâche. Cette bâche qui est double face. Et qui est vraiment, pour moi, c'est une pièce de musée. C'est une pièce de musée et j'espère bien qu'un jour, soit en France, soit ici, la Côte d'Ivoire pourrait la récupérer parce que elle est extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est encore ma fille qui l'a trouvée. Là, elle était partie avec des amis de son âge. Elle était très jeune, 15 ans. Et ils étaient allés à Bouaké. Elle est tombée sur cette bâche sous un pont. Ils se sont cotisés pour acheter cette bâche. On voit bien, il a dessiné le scorpion quand même. C'est un scorpion. Oui, mais quand même, les dessins décrivent très bien la maladie ou le problème qu'a le personnage. Bon, après, il y a d'autres maladies. Guérisseur, alors il y a le guérisseur aussi. Waouh, alors là c'est mystérieux, hein. C'est très très mystérieux là. Hein. Je dirais c'est une surprise. C'est à la fois des souvenirs, des choses qu'on a rencontrées à gauche à droite dans nos rues, dans nos cités, et qui nous ont souvent fait sourire ou mis mal à l'aise pour d'autres. Mais c'est intéressant d'avoir réussi à faire cette synthèse et à rappeler ces choses-là du quotidien des Ivoiriens. L'art de l'enseigne, elle est très spécifique de l'Afrique de l'Ouest. Il y en a au Togo, il y en a dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a la Côte d'Ivoire aussi. Et donc, dans une des enseignes que nous avions trouvées, mais qui était complètement détruite, il y avait ce titre. Venez y voir. Et je trouve que c'est trop beau. Venez y voir la Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas mieux rêver. Donc c'est déjà un titre très accrocheur, hein, qui parle de la Côte d'Ivoire. Donc j'étais très contente. L'exposition d'ici va durer plusieurs... Jusqu'au 28 février. Et je vais revenir pratiquement tous les jours à certaines heures, selon on va l'afficher, où je vais signer le livre, le dédicacer, si des personnes veulent acheter le livre. Voilà. On va juste rappeler le prix du livre rapidement. Ah, 25 000 francs CFA. 25 000 francs CFA. Quel est le message que vous adressez à toutes ces personnes qui ne connaissent pas le livre et qui pourraient être intéressés par ce livre-là?
Ah, c'est l'Afrique, c'est une histoire de l'Afrique. C'est l'Afrique déjà dans les années. Mais même moi, j'étais pas là. Mais ça raconte l'histoire de l'Afrique.